quand nous disons merci. Merci pour l'amour, merci pour la faveur, merci pour bien faire envers nous. Merci pour la protection envers nous. Nous réalisons, remets-nous. Nous tellement remets-nous, nous pensons nous chaque jour. Nous ne pouvons pas travailler, nous ne pouvons pas toucher ni premier ni trente. Mais malgré tout, ça, on toujours prend soin de nous. Nous disons merci. Malgré tout rage, adversaire à faire, mais nous-mêmes, jusqu'à présent, pour protéger nous, pour qu'il y ait de devant pour nous. Nous disons merci pour ça. Parce que nous venons pour nous capables d'adorer et pour nous passer un moment de prière dans la présence. Dans pendant temps pour nous. Vous allez venir tout autour de nous. Et c'est comme ça, Père de gloire, nous va bénir. Venez chaque monde, Père de gloire, qui déjà prend position, qui est d'accord, qui est capable de bénir avec nous. On va toucher le cœur, toucher la pensée, toucher l'esprit, habiter dans la vie. Et c'est comme ça, nous allons continuer à avoir gloire, l'orange, l'honneur, l'autorité ou même sans nous mériter. Nous allons prier en qualité de monde qui va juste, mais nous prions dans le nom de Jésus, qui vient de Cavrier, pour tout le temps, au siècle des siècles. Amen. Nous invitons à nous capables d'adorer. Adorer. Adorer avec toi, soyez. Mettons nos esprits de prière. Quittez l'esprit, nos esprits de prière. Chantez ta soif, 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 ta soif
Comme des pères brisés, tête m'a été changée. Mais avec amour, Jésus t'a développé. À l'instant de David, qui t'a dit dans le psaume 51, oh Dieu, pitié de moi dans ta montée, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Pas des amis qui m'aiment en tant que Jésus. Pas des familles qui m'aiment en tant que Jésus. Et quelle que soit la fréquentation que tu as gagnée, quelle que soit la relation que tu as gagnée en dépit de tout, tu as gagné quand même ta couleur de la vie. Et littéralement, même, on lui prouve ça à la croix. Il quitte le trône de gloire, il descend. Il baille tête, il t'a pris un petit mouton et il a mené à abattoir. Il n'a pas renoncé. Il était d'accord à renoncer au royaume pour être capable de descendre. Il n'a pas quitté tête avec papa, il n'a pas fini pour rébellion ça. Pas fini pour le monde parlant pile ça, mais il était d'accord, il était tourné de gloire, il était venu mourir. En reconnaissant de ça, bon Dieu, il est de ça dans la vie. Disposer la vie pendant nous pouvons entrer dans la confession, nous pouvons prier avec serviteur. Nous assoir, disposer le cœur, disposer l'esprit, nous sommes capables d'entrer en prière. Confesser la vie. Ou qu'on la vie, ou qu'on manquement, ou qu'on erreur, ou qu'on faute, ou qu'on tourne en manchou. Ou qu'on côté où t'allez. Ou qu'on sort dit qui part dans volonté mon Dieu. Ou qu'on est qui parole te répète dans la journée qui va te faire mon Dieu plaisir. Ou qu'on est côté où t'es mette main, ou côté yeux où t'es gardé, qui va te faire mon Dieu plaisir. Mais à souhait, Jésus dit, venez nous tout qui vous êtes chargé, fatigué. Ma bonne repos. Ma qu'on est qui charge péché ou dans la vie ou à souhait ou à côté. Ma qu'on est qui fade au péché qui trôle ou pour vous, pas qu'à supporter ou pas qu'à porter encore. Mais pour le monde qui voulait soulager, dire le Jésus de Nazareth. Et il n'y a pas repousser. Il n'y a pas besoin de faire trop de gagot, il n'y a pas besoin de faire trop de péché. Quand il a dit, viens joindre moi. J'ai un bon cœur, j'ai un cœur sensible, j'ai un cœur touché. Viens joindre moi, ma bonne repos. Et vous même qui avez un fade au péché qui loue pour vous, vous sentez vous pas capable encore. Et péché a mis un honte sur le visage. Péché a dévalorisé la vie. Viens joindre mettre la vie. Vin jwenn li jonye a, ou met vin jwenn li tout sal la, ou met vin jwenn li avèk tout fadra, li fidèl et juste, pou kapab bon liberté a souè. Ke Jésus bon liberté nan amou, li bon liberté nan cœur, li bon liberté nan l'esprit. Alléluia, gloire à Jésus. Si faiblesse nan la vie la, pendant wap identifye faiblesse nan la vie la, et li possible pou bèdi. Il est possible pour délivrer, il est possible pour acheter, il est possible pour l'homme rouge qui s'est campé devant nous pour lui faire la soie, il est possible pour montagne qui s'est campé devant nous pour le déplacer. Et pour commander montagne ça, il faut d'accord livrer entièrement à mon Dieu, il faut d'accord confesser la vie, il faut vraiment hypocrisie avec mon Dieu, pour qu'on ne te parle mal à vous, et puis pour dire Seigneur, m'en donne pardon parce que je t'ai fait l'homme geste, parce que m'en donne pardon parce que. Nous avons taillé, nous avons souffert. Seigneur, nous avons pardon parce que nous avons tombé dans l'adultère. Nous avons pardon parce que nous avons tombé dans l'hypocrite. Et vous pas identifier faiblesse là. Identifier faiblesse qui est dans la vie là. Et pendant que vous identifiez, et bon Dieu, dans la grâce, dans la faveur, il est possible de nous faire soi. On va continuer à adorer avec nous parce qu'on s'est mis là. Est-ce qu'il y a un monde qui a fait la blessure dans la vie? Est-ce qu'il y a un monde qui a fait la blessure dans la vie? Est-ce qu'il y a un monde qui a fait la blessure dans la vie? Est-ce qu'il y a un monde qui a fait la blessure dans la vie? Est-ce qu'il y a un monde qui a fait la blessure dans la vie? Est-ce qu'il y a un monde qui a fait la blessure dans la vie? Est-ce qu'il y a un monde qui a fait la blessure dans la vie? Est-ce qu'il y a un monde qui a fait la blessure dans la vie? Est-ce qu'il y a un monde qui a fait la blessure dans la vie? Est-ce qu'il y a un monde qui a fait la blessure dans la vie? Est-ce qu'il y a un monde qui a fait la blessure dans la vie? Est-ce qu'il y a un monde qui a fait la blessure dans la vie? Est-ce qu'il y a un monde qui a fait la blessure dans la vie? Est-ce qu
Qu'est-ce que c'est?
Et cet esprit qui est en nous, qui s'est réuni là, qui s'est rempli, qui s'est tué là, quand on peut lever pour des blocages là, on peut faire tout du fer dans la vie. Et le chien qui campe des bons n'est pas capable de bloquer ou assurer. Et quand on peut être avec vous du fer, en présence de l'immense en plus. Amen. Cet esprit fait qu'on fasse son souverain à la terre. Et à vous dire encore, non, je vais lui dire, on connaissait toujours le jour de blocage. Et nous venons pour nous capables de faire ce parler ensemble avec vous. Et ça nous va regarder après-midi. Nous allons regarder un conflit que Amalek idiot a gagné avec Israël idiot. Pendant marche là, parce que nous connaissons les vendredis, nous avons marché là, sorti en Égypte. Et nous dans le désert. Nous dans le désert. Donc, Amalek idiot qui gagne une marche avec un conflit avec le peuple Israël là. Et nous avons lié pour vous, chapitre 17, Exode chapitre 17, verset 8 à 16. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes. Sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui. Et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un de côté et l'autre de l'autre côté. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek
et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous des cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Que bon Dieu qu'a béni passage ça pour édification non non. Seigneur nous bénissons, nous demandons capable après-midi à aidez-nous jeune nourriture dans passage ça pour nous et pour auditoire là. Nous demandons bénis-nous Seigneur pour horizon compréhension nous. N'a pas au gloire au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Nous voulons dire après-midi, d'après ça, nous sommes là, c'est que bataille là, pas bataille pas nous, c'est bataille éternelle. Amen. Et que nous pas besoin de troubler, nous n'avons pas besoin d'inquiéter. Et bataille là, alors, peuple Israël là, sorti en Égypte, il y a beaucoup de batailles. C'est une première bataille, une première attaque que vous allez joindre. Alors, il y a toute l'autre qualité de problème. Problème à gauche, problème à droite, problème de l'eau, problème manger, problème et y a poursuivi. Mais quand à vous camper pour bataille là, donc il y a pas de quoi jouer un problème ça. Et en plus, on n'est pas capable de demander pour quelle raison qui fait que bon Dieu qui était ennemi vient bataille ensemble avec le peuple là, puisque c'est le peuple lui, c'est le peuple lui. Encore toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et certainement, bon Dieu, il y a un grand plan. En Ligue de Bagay, il n'a pas accompli lorsque le quitté, le peuple a rentré dans la bataille. Donc, les Amalécites et les gens d'Amalek, ils viennent pour capable gourmer avec Israël à Refidim. Mais songez, Israël, c'est le peuple, bon Dieu, songez, bon Dieu, ça fait de grands prodiges avec Israël, bon Dieu, fait le traverser la mer rouge, bon Dieu, fait le. L'eau qui était à Mervin, Doubouli, bon Dieu, Bali, l'eau qui sortit dans le rocher, hein? Bon Dieu, a fait grand bagage avec le peuple Israël là. Mais cependant, qu'on y a un peuple là en face de l'ennemi. Ça nous fait comprendre que si bon Dieu fait le peuple là sortir en Égypte, eh bien, l'été fait le traverser la mer rouge, l'ibal de l'eau, le fait de l'eau en Mervin, Dou, le fait de l'eau sortir dans le roche, bagage qui est possible. Eh bien, est-ce que là, bon Dieu, pour laguer Israël dans l'ennemi, faire l'ennemi fin avec Israël? Pas du tout. Donc, bataille là, gagne une signification. Et il pourra rendre, commencer à rendre Israël fort et il pourra le voir que. D'ailleurs, dans le sens, Amalek yote fort, c'est mon habitude de bataille, Israël pas encore une bataille. Donc, Amalek yote te ka kwe que. Eh bien, c'est kou y vin point. Son petit poule y ap kase koul. Et ça va même besoin pour lui-même. Ça a été chaleur pour manger. Mais pourtant, lorsque c'est dans la main l'éternel, lorsque c'est dans l'âme l'éternel, là, il y a quoi où c'est petit poule, pourtant, où sont méchants, où sont vos garçons. Donc, avec eux, après, ils gourmet ensemble avec le peuple Israël. Là. Et il y a un peu de là, nous avons une présentation de Josué. Josué, qui c'est un leader, qui était en bas Moïse, et que moun kapral mené bataille là, c'est Josué kapral mené. Josué kapral mené, et Moïse pour l'intercéder, pour le camper devant l'Éternel, et pour Josué a mené bataille là. Alors, en qualité de leader, nous capables, il n'y a pas dit nous ça, mais nous capables pour Josué, son équipe est bien formé, son équipe est apprendre bien, et confiance est jetée sur Josué. Que l'État capable de mener bataille là. Et ça fait que là nous dans l'Éternel, tout ça nous qu'a apprendre dans l'Éternel, c'est pour nous apprendre. Qui de l'Éternel enseigne, qui de l'Éternel instruit nous. Ça nous qu'a apprendre dans la maison, apprendre. Et nous ne connaissons pas qui le Seigneur, c'est vous-même qui avez servi, c'est vous-même qui avez campé, qui avez défendre la patrie. Donc, en tant qu'un,
Et bien, tout ce qu'on apprend, apprend avec obéissance. Donc, Kounia, mais c'est Josué qui va être un leader de pointe, qui va camper pour capable aller dans la bataille là. Et Moïse, on est capable de croire dans le jugement et Josué. Parce que c'est pas même Moïse qui choisit les combattants et les hommes de guerre pour aller dans la bataille là. Il dit Josué choisit. C'est que Josué a vécu avec eux et Josué les connaissait et Josué devait choisir. Eh bien, Moïse dit Josué choisit et des hommes. Après, il a sorti pour aller combattre avec Amalek. Il dit moi-même, demain, je vais monter sur montagne là. Mais je vais monter et pas comme ça. On va le monter avec bâton l'Éternel là. Amen. Un bâton l'Éternel qu'on était utilisé pour être capable de traverser la mer rouge là. Et bien même bâton ça monte ensemble avec moi en montant là, on va le devant l'Éternel. Et bien moi pendant devant l'Éternel, vous pouvez marcher pour moi. Bon Dieu béni oui. Donc et c'est ça qui va. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline la verge de Dieu dans ma main. Donc, ce qui est important dans toute bataille nous voulons mener, si nous voulons victorieux, il faut que l'alliance nous avec bon Dieu, ça va jamais loin nous. Il faut que le contrat nous avec bon Dieu toujours prêt. Il faut que la relation nous avec bon Dieu toujours là. Parce que ça qui va mener la bataille là, ce n'est pas où qui va mener. Hein, mais c'est confiance dans l'Éternel, c'est l'Éternel qui va mener la bataille là. Il faut qu'on ait une bonne relation ensemble avec l'Éternel. Et Moïse fait appel ça, il dit pour ça que, bâton bon Dieu, il prend une main même moins. Et ça signifie en pile bâton bon Dieu. Et contrat bon Dieu. Quelle fois bataille nous yo, ça qui fait nous perdre, ça qui fait nous pas ka gagner parce que c'est avec propre bâton pas nous dans mené yo, c'est avec propre ça veut dire avec propre capacité pas nous, avec propre c'est sous connaissance nous, sous intelligence nous aller mais nous pas aller sous plan bon Dieu. Mais c'est chrétien bataille ou a mené, c'est pas bataille pauvre. Eh bien, c'est sous bon Dieu pour banquer pour mener la bataille là. Et si c'est sous bon Dieu pour banquer pour mener, c'est que même là où ouais, c'était main ou qui était devant, en vérité c'est l'Éternel qui a guidé main parce que tu mets un trophée ou pas qu'à gagner. Donc il faut que c'est sous bon Dieu pour banquer. Eh bien, Moïse banquer sous l'Éternel, il dit m'a monté sous montagne là, mais m'a monté avec bâton en main. Et ça montre tout, après ça, ouais, que Josué pour pour faire ça, Moïse m'a dit fait. En tant que leader, le chef, il m'a dit fait tel bagage, il va faire ça, il m'a dit faire. Parce que jusqu'à présent, Moïse, c'est lui qui recevait l'ordre de mon Dieu qui a communiqué avec mon Dieu, qui connaît ça, mon Dieu voulait. Et il m'a dit Josué l'ordre et Josué m'a fait ça, il m'a dit faire. Pour capable de combattre Amalek. Et Moïse n'allait pas seul. Moïse prend Aaron et Hur. Pour le monter sur montagne ensemble avec lui. Donc, regardez les batailles qu'on a menées, on ne peut pas mener nous seuls. Il faut qu'on compagne de genoux. Il faut qu'on nous soutienne. Il faut qu'on nous soit capable, pour qu'on nous fasse confiance. Pour qu'on nous aide à bataille. Parce que les batailles, pas toutes les batailles qu'on a menées seules. Il y a des batailles, il faut qu'on l'autre monde pour qu'on mène bataille ensemble avec lui. Parce que les victoires faites, c'est pour nous toutes victoires faites. Les chrétiens qui ont victoire, il y a des gens qui sont jaloux en pile. C'est où on a réussi, aucun problème. Non, là on a réussi, c'est nous tous qui réussissons. Et son victoire qui tombe dans le camp, nous y tombe. Donc, et monsieur, Aaron et Hur montaient au sommet, colline avec Moïse. Avec Moïse. C'est très très important. Et ça qui est important, pendant que Josué a commencé la bataille là, Moïse. Avec Hur, avec Aaron, il a mené, il y a l'autre façon, il a mené la bataille là. Donc, la bataille que nous avons pour nous mener, ce n'est pas un seul camp pour la bataille là mener. Ce n'est pas seulement physiquement pour mener, parce que Josué n'a pas mené la bataille là physiquement. Josué n'a pas mené le couteau. Mais Moïse, Aaron et Hur, eh bien, il va mener dans l'autre facette. L'autre facette que vous allez mener maintenant, c'est devant l'Éternel, il va y camper. C'est devant la puissance de l'Éternel. Il va râler.
la puissance de l'Éternel descende. Descende, c'est ça qui a fait une bataille, une victoire dans la bataille. Et nous avons un passage là, c'est que l'éclair, lorsque Moïse levait la main, eh bien, Israël plus fort. Israël a gagné, il a mené. Lorsque il levait la main. Parce que ça montre que ce n'est pas épée qui a gagné la bataille là. Mais la bataille là, quand elle a gagné, c'est en haut de l'ivoire qui a sorti. Quand main levée vers l'Éternel, eh bien, Israël plus fort. Mais quand ils sont fatigués, main de baisser, eh bien, Amalek est plus fort. Et c'est ça qui arrive dans l'Éternel, dans la vie chrétienne. Eh bien, il faut que vous capable de bon sens. Moi, je vous demande bon sens pour capable de déployer une stratégie. Et là, mon stratégie qui est capable de déployer là, c'est que si vous n'avez pas utilisé la tête, vous n'avez pas faut avoir un bon sens pour capable de faire. Vous n'avez pas bon Dieu, pas besoin de vous venir faire parce que vous avez déjà bon sens déjà pour faire. Et là, si monsieur n'a pas décidé, pour être capable, parce que moi, Moïse Bouquet, c'est un humain lié. Moïse humain, bien qu'il a prié les bon Dieu, mais Moïse c'est un humain. Il est toujours humain. Tant qu'on est toujours humain. Et que vous avez besoin de l'autre monde. Il faut qu'on associe avec l'autre monde. Faut associer avec l'autre monde. Eh bien, mais monsieur, tu es là, il est que. Ce créateur n'a levé la main liée. Appelle le diable, oui. Amen. Ce créateur n'a levé la main liée. C'est n'a levé la main liée. Mais même Moïse a bouqué. Et bien, qu'on n'a pas qu'à quitter main baissée. Et chaque fois main baissée, et bien, c'est perdu dans le pêche. Là, on peut bon dire avec vous. Il y a des gens qui ont l'air, ou un chrétien a levé main devant l'Éternel, a dit Alléluia, béni soit l'Éternel. C'est qu'on veut faire ça, il n'y a pas qu'à faire. Comprenez ou pas comprendre? Comprenez ou pas comprendre? Ce créateur, c'est n'a levé la main devant l'Éternel. C'est n'a levé la main devant l'Éternel. L'on levé la main devant l'Éternel, ça veut dire l'Éternel. Eh bien, ma faillite, moi faible, moi besoin de secours. On dit au secours. Et là, on est au secours, l'Éternel nous prête pour le capable de paraître pour venir secourir. Amen. Et, monsieur, on fait un plan. Cherchons roche pour mettre Moïse Chita. Et puis, on voit que Moïse seul n'est pas capable de faire. Pas qu'on peut garder pour dire, je vais garder comment elle a fait, comment elle a réussi. Le travail, le succès, c'est pour nous tous péter le même. Et chaque nègre qui a campé, il bon. Et vous kembe même Moïse. Vous kembe même Moïse. Et puis, mais en l'air du soleil couché. Et ça fait que Israël bat Amalek. Il bat. Il y a un bagage dans ça, nous capables de penser. Il y a des fois, nous refusons de coopérer. Dans le travail, mon Dieu, dans l'église, mon Dieu, dans ça, mon Dieu. Bonne fête, nous allons courir avec un leader. Monsieur, tu as le droit d'aller, puisque même Moïse fatigué. Tu as le droit quitter Moïse, après ça, il ne veut même pas. Yo. Mais il ne veut même pas, ça va faire échec. Qui n'a pas fait? Parce que qui est-ce qui est contre l'Éternel là, lire les mots? Moïse. Si chaque n'a pas levé, moi, diable, moi, quand Moïse levé main, une victoire faite, moi-même, m'a levé main. Hein, cause à Moïse, c'est pas Moïse seulement qui me dit, bon Dieu, nous, c'est bien, bon Dieu, tu n'as levé main. En vérité, même Dieu fait des capons, monsieur. Mais en gars, il était qu'à emporter. Et bien, on a fait ça dans l'église en pile. Pour qui ça, c'est pas moi-même, pour qui ça, c'est un tel. Mais tel là, ouais, bon diable, dit la belle, là, qui te dit la belle. Ou même fait ça, bon Dieu, me l'ouvre. Côté A, on prend l'utile. Avec pire. Et mes côtés pour l'utile, c'est dans Kembe, mais soutenir mais Moïse. Et là, vous soutenez mais Moïse, ça y est, c'est victoire, y'a tout y'a bien victoire ensemble. Eh bien, nous besoin de développer collaboration, esprit de collaboration dans le travail de Dieu. Nous besoin de faire sûr que nous y'ont supporté l'autre. Nous pas jaloux, parce que là où jaloux contre l'autre, ça va pas être fait, on va pas être perdu et avantage. Et parce que si c'est pas tel monde que bon Dieu t'a passé ou pas appelé, bon Dieu passe par Mounsa, c'est pas où vous passer. Bon Dieu, pas chaque monde a une responsabilité. Dans le travail, de chaque monde a un appel, chaque monde a une responsabilité. Eh bien, Josué, lui-même, c'est pour aller dans le champ avec l'épée, pour être capable de battre directement, en bataille physique. Mais
Moïse pas gagne pour aller dans champ avec l'épée. Moïse gagne pour aller sous tête collée non pour aller camper devant l'Éternel. Amen. Et à Wakir, eh ben yo ça yo gagne pour faire c'est seulement pour soutenir mais Moïse pour faire sûr que Moïse pas fatigué. Amen. Eh ben là nous travaillons ensemble. Et nous travaillons ensemble comme ça, eh ben on va réussir. Travail bon Dieu va réussir. Amen. Eh ça fait toute la nuit, juste la journée, juste la nuit, eh bien, c'est les Israélites qui a gagné jusqu'à ce que le soleil couche. Eh bien, Josué remporte la victoire et Amalek, avec tout le peuple, eh bien, ils ont tué avec un bas couteau. Et l'Éternel dit Moïse, écris ça, oui, dans le livre, pour capable comme ça, être comme un souvenir, hein, et ça doit conserver. Ou capable de connaître les gens qui lèvent les mains devant moi, les gens qui croient en moi, je bats les victoires. Les gens qui obéissent à moi, même je bats les victoires. Les gens qui mettent tête ensemble pour faire ça, je bats les victoires. Et je bats les victoires. Et déclarer à Josué que je vais effacer mémoire et les gens qui deviennent mener combat devant nous. Gardez avec nous, gardez les gens qui viennent, gardez les gens qui combattent. Eh bien, on connaît là pour tout le temps. Non. L'Éternel a quitté les combats, oui, parce que bon force que l'Éternel veut au point. Bon niveau que l'Éternel veut au point. Mais à la fin, l'Éternel pourra disparaître devant. Ou à garder après bien disparaître. Il dit la retirer. La retirer en bas ciel là. Et en vérité, après-midi, ou capable de combat. Ou capable de combat. Mais. Vous remettre l'Éternel combat. Yes. Montez sur colline là. Hein, montez sur colline là. Hein, levez mes en l'air. Et si vous êtes fatigué, eh bien, cherchez les bons soldats qui supportent vous. Levez mes en l'air, restez devant l'Éternel. Parlez avec l'Éternel. Quittez l'Éternel, menez bataille à vous. Là où levez mes en l'air, ça veut dire que mais on joint avec le ciel là. Et c'est même sous parole, mais on joint avec ciel là, mais on joint avec ciel là. Là, maintenant on va joindre avec mais on. Et vous capable de mener bataille là pour vous. Il pas mener physiquement Jean ou là peut-être son l'autre monde qui cap mener physiquement mais vous même pouvez pas vous cap mener physiquement. Vous cap comme monde cap nous cap tripoter cap battre pour tuer et puis vous le fait que vous à genoux ou tête montée là ou wash là mais vous devant l'Éternel après ça entendez que l'autre méchant par lui qui tue elle. Un méchant par lui qui joue ensemble avec elle. Donc et on croit que l'Éternel a montré nous plan bataille par nous. Eh bien, c'est dans l'île et c'est avec l'Éternel pour nous mener bataille par nous. Pas essayer de mener avec propre capacité par nous. Pas essayer de mener seul. La vie chrétienne par une vie seule. Son vie d'ensemble lié. Il faut que nous capables de jouer ensemble. Au lieu de nous faire division pour tout ce bagaille, eh bien, c'est pour nous capables de jouer ensemble pour nous aller devant l'Éternel et quitter remettre l'Éternel situation. Et l'Éternel a pas pour une situation. Et la résoudre. Donc le fait qu'on a difficulté, le fait qu'on a bataille, ça ne veut pas dire l'Éternel abandonné. Ça veut dire l'Éternel veut une certaine maturité. Ça veut dire l'Éternel voulait bah, une victoire, mais c'est lui-même qui veut une victoire. Pas aller avec propre courage, vous prenez, mais aller avec contre l'Éternel là. Aller en bas la puissance de l'Éternel. Aller en bas l'autorité de l'Éternel. Pour capable réclamer victoire ça. Et les Moïse, les fin de bataille là, Moïse bâtit. Il y a mémoire, il y a un hôtel. Et là, il y a l'hôtel là, l'Éternel, ma bannière. Yes. Et ça, c'est pour causer. Là, c'est l'Éternel qui bannière. C'est l'Éternel qui a déclaré qui est souillé. L'Éternel qui a positionné. Là, c'est l'Éternel qui devant l'être qu'on garde. Mais il n'y a pas de cas où c'est l'Éternel qui a pu. Là, il vient pour attaquer. Et bien, la bannière de l'Éternel, elle va goûter vous. Et bien, Moïse écrit l'Éternel est ma bannière, l'Éternel ma bannière. Il dit parce que la main de l'Éternel t'est levée sur le trône. La main t'est levée vers le trône de l'Éternel. Et t'es gagné une guerre de l'Éternel contre Amalek. Et guerre, ça, son guerre de génération en génération. Il dit main t'est levée. L'Éternel m'a banni, c'est seulement, mais nous te levons devant l'Éternel. Et puis, pendant que nous levons devant l'Éternel, il y a une guerre qui a fait avec Amalek. Guerre qui a fait avec Amalek et nous avons tout détruit. Nous tout détruit et l'Éternel décide pour capable de détruire. Donc, la fin de l'ennemi qui est sous tout capable d'attaquer,
c'est la destruction éternelle. Amen. Eh bien, mais vous-même, il faut qu'on soit capable conséquent. C'est pour comprendre le plan de bataille là. C'est pour comprendre qui j'en bataille. C'est pour comprendre à qui est son bataille. C'est pour comprendre qui est ce qu'avant dans la bataille là. Amen. Et vous connaissez qui guerrier ensemble avec vous. Et vous capable de gagner un principe de bataille là. Plan de bataille là, c'est pour capable de gagner. Que plan de bataille ou ça, il faut capable de gagner contre l'éternel là ensemble avec vous. Faut capable gagner l'éternel ensemble avec vous. Pour que c'est vers l'éternel ou à lever la main, ou à prendre des secours. Et l'éternel a secouru. Après-midi à qui? Qui guerre mené, qui dans qui bataille, est-ce qu'on a une guerre grand goût, est-ce qu'on a une guerre persécution, est-ce qu'on a une guerre contre mon persécuteur, est-ce qu'on a une guerre contre les malveillants qui pas vouloir, est-ce qu'on a une guerre malveillants qui pas attaquer petit tout et attaquer et gagner force sans pas capable encore, gagner force sans comme si que gagner force sans va perdre du bataille, parce que gagner là quand Moïse fatigué, et même pas pour être descendre, et ben Amalek yo battu, gagner là sans va prendre coup, gagner sans va prendre coup. Mais pourtant, est-ce que c'est là mon Dieu? Non, l'Éternel veut lever mais au plus haut toujours. Et c'est là ça pour avoir une victoire. Le fait qu'on prenne un coup, le fait qu'on prenne on voit quelques soufflettes, un homme à l'ennemi, ça va me dire, on finit pour ça. Non. Eh, l'anglais, c'est non, mais l'Éternel lié. L'Éternel veut comme un pigeon. Comme un pigeon, puis solide. Eh bien, ouais, il y a une bataille là. Je ne sais pas si ça capte nous après-midi. Je ne sais pas si c'est qui nous bloquer après-midi. Je ne sais pas si quitter Amalek à l'avance ou quitter Amalek finalement. Seul bagage que je connais, le plan mon Dieu, c'est pas pour Amalek finalement. Le plan mon Dieu, c'est pour le retirer. Même mon Dieu, qui a quitté ou commencé la bataille. Il a quitté en face de bataille. Et cette face de bataille, là, il a un caractère, il a développé une personnalité. Et il va faire le monde que le vlog hier. Et c'est en face de bataille, il a une bonne victoire. Et là, ça vous capable de dire. L'Éternel est ma bannière. Vous dites c'est l'Éternel qui secoue moi. Yes. Et vous dites je le mets, je vais les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux sur la terre. Pas découragé parce qu'on va aller camper devant. Amen. Pas découragé, non. Pas levé courir, non. Pas levé courir. Pas levé courir. Ouais, bataille là devant. Pas levé courir. Pas fait tête. Mais à devant l'Éternel. Amen. Mais l'Éternel qui ça pour me faire. Amen. Parce que je ne pas contre bataille, mais on compte bataille. Dit-elle, amène moi. Yes. Ou bataille ça capable faire. Le temps pour le comité ciel là, bataille vous moi. En vérité, le comité ciel là, bataille vous frère moi. Le comité ciel là, bataille vous seulement. Pas peur, pas crainte. Hein. En vérité, vous allez traverser. En vérité, vous allez quitter Amalek à terre. Vous allez quitter à terre et vous même vous allez sauter vainqueur, plus que vainqueur. Que bon Dieu n'a pas mouli après-midi à capable de nous. Même si j'ai été aidé peuple Israël là, que vous êtes capable d'aider dans le combat courrier, dans la lutte courrier. Que vous êtes capable d'aider pour traverser en bien. Il est fini. Et elle va effacer dans mémoire, eh bien, ennemi ça que tu es comme devant nous. Amen. Par contre, qui est ennemi, il y a plusieurs formes d'ennemi. Mais ça comme devant nous. Eh bien, vous êtes capable de mettre dans le cœur, comme on s'est dit, on va là pour tout le temps. Si Amalek est fini, et bien, vous n'êtes pas fini. Au nom de Jésus. Si Amalek est fini, et bien, vous n'êtes pas fini. Si Amalek est disparu, et bien, vous n'êtes pas disparu. Au nom de Jésus, je vais disparu. Je suis sous colline, je suis là, je suis sous roche là, et à moi qui va quitter mes mains jusqu'à la fin. Et en vérité, ennemi, on va prendre un coup de couteau. En vérité, on va finir mal. On va finir bien. Mais bon Dieu capable d'aider, capable d'aider, pour bon Dieu capable d'aider, pour traverser, pour capable de sortir, quand on est bloqué, ou débloqué. Même si on est fond dans la boue, eh bien, tracteur l'Éternel là. L'église là pour le capable de nous aider. Que mon Dieu capable de nous aider. Amen. Amen.